avec une roue à l'arrière. C'est la seule voiture à prendre de 400 cm3. Et vous voyez cette forme traditionnelle. Alors, pourquoi trois roues? Mais c'est très simple. Pourquoi trois roues? C'est très simple parce qu'au niveau des taxes, eh bien, ça coûtait moins cher, aussi bien pour l'immatriculé que pour la faire rouler ensuite, pour les lumières et tout ça, c'est pour les avec un permis autoroute. En Angleterre, c'est pour ça que ces voitures, c'est pour ça qu'il y a des Bentley trois roues et toutes ces voitures en trois roues. Et donc, le propriétaire de cette Bentley, qui est un modèle T60, c'est monsieur Christian Connor. Voilà, c'est le pilotage n'est pas le même. Ce circuit doit lui rémémorer pas mal de choses, mais il n'a jamais eu de côté pas sur ce circuit, c'est pour un pilote comme le genre de Le plat du deuxième lors de ses ascensions d'ici la fin. Ce coupé vers toi, tu disais, il était en plusieurs motorisations, tu dis, c'est ce Claude Elry. Je crois d'ailleurs qu'il a acheté chez M. Tébois.
textile, Ensuite, nous avons l'offert de Jean-Claude avec celle de Christian Joyer, qui est une rallye 2. Ah oui, la rallye 2 et. Voilà, nous revenons avec un peu d'huile aussi. Avec un moteur 500 cm3 et la caisse qui est sortie dans les années 1961, qui en fait la troisième voiture la plus ancienne de ce plateau de la 8e pour moi. Alors là, c'est plus la Hermite d'Orbigny. C'est crucial. C'est crucial. C'est que ça.
Ça arrive direct.